Au Québec, une étude réalisée dans les établissements de détention provinciaux en 2003 a révélé que 3 % des personnes incarcérées seraient infectées par le VIH et 19 % par le virus de l'hépatite C. Les résultats de cette étude ont également démontré que ces taux d'infection touchaient davantage les utilisateurs de drogue par injection. Ainsi, malgré l'interdiction de consommer des drogues, c'est plus de 4 % des hommes et 1 % des femmes incarcérées qui disent s'être déjà injecté des drogues pendant leur incarcération. Et parmi eux, près des deux tiers ont partagé des seringues. Allons voir comment des intervenants du réseau de la santé et des services sociaux voient cette inquiétante situation en milieu carcéral. Mon travail à l'établissement de détention de Saint-Jérôme, c'est au niveau de la prévention du VIH et des hépatites. Je fais du travail de proximité, c'est-à-dire que je vais distribuer du matériel aux personnes incarcérées pour la prévention. De l'eau de Javel, des condoms, des dépliants. Ensuite, j'ai à intervenir avec les personnes atteintes ou ceux qui ont des comportements à risque qui pourraient contracter les maladies. On sait qu'il y a beaucoup de personnes qui s'infectent pour l'hépatite C. Puis on remet aussi régulièrement des résultats pour le VIH. La majorité des personnes qui sont infectées par le VIH ou l'hépatite C sont des gens qui se sont injectés des drogues, soit avant qu'ils rentrent en détention ou même à l'intérieur des murs. Les gens vont avoir beaucoup de difficultés à cesser leur consommation. C'est pas évident d'arrêter de consommer, surtout pour les personnes qui sont dépendantes de l'héroïne. Alors, ils vont trouver des moyens de continuer à s'injecter pendant qu'ils vont être en dedans. La drogue est interdite en établissement de détention, c'est sûr, sauf que les personnes incarcérées trouvent plusieurs moyens de s'en procurer, soit par les visites, les gens quand ils viennent, qui ont des visites contacts, ils peuvent en rentrer, ils s'en cachent un peu partout sur eux. Il y a des gens, par exemple, qui vont prévoir qu'ils vont être incarcérés parce qu'ils ont des mandats, donc ils savent que tôt ou tard, ils vont être incarcérés, donc ils vont introduire des seringues, de la drogue dans leur anus. Des fois, il y a des balles de tennis qui sont lancées par-dessus les clôtures et qui sont récupérées. Et pour le matériel d'injection, c'est soit des seringues artisanales faites avec stylos et aiguilles trouvées un peu n'importe où. Ils vont se fabriquer des aiguilles, ils vont se fabriquer des pistons. J'ai déjà vu des personnes incarcérées être capables de voler des seringues à l'infirmerie dans les bacs de seringues souillées. Pour les intervenants, ça pose un gros problème, un dilemme éthique, de voir des gens qui s'injectent et d'avoir rien à leur proposer pour les aider. Ça se fait toujours dans des conditions de salubrité discutables et toujours de façon isolée. La proportion des gens qui s'injectent en détention, qui vont utiliser du matériel usagé, d'après moi, c'est la majorité. Parce que les seringues sont tellement rares que la même seringue peut servir plusieurs fois. Se faire une injection, ça coûte extrêmement cher en prison. C'est autour de 100 $ de l'injection. Puis c'est souvent, comme les seringues sont rares, bien, ça va être la même seringue qui va servir plusieurs fois à plusieurs personnes incarcérées. Quand il y a des fouilles, il y a des seringues qui sont confisquées, en effet. Ils vont en trouver. Par contre, dès qu'il y a une seringue qui est confisquée, c'est pas très long qu'il y en a une autre qui va se fabriquer ou qui va se trouver quelque part. Alors, il y en a toujours pareil en circulation, même si il y a des seringues qui sont confisquées lors de fouilles. Ces témoignages nous permettent de prendre connaissance de la réalité de la consommation de drogue par injection dans certains établissements de détention du Québec. C'est un problème moins répandu que dans la communauté, mais c'est tout de même présent. Pour répondre au problème de partage de matériel d'injection dans la communauté, des programmes d'échange de seringues ont été bien implantés au Québec, et ce, depuis 1989. Les usagers de drogue par injection peuvent se procurer du matériel d'injection stérile dans plus de 1000 centres d'accès, soit dans des organismes communautaires, des pharmacies, des CLSC et même certaines urgences d'hôpitaux. Ces programmes sont reconnus efficaces pour réduire de façon substantielle le partage de matériel d'injection et par conséquent réduire le risque de transmission d'infections par le sang telles que le VIH et le virus de l'hépatite C. Étant donné l'efficacité de ce type d'intervention et qu'il y ait malgré tout consommation de drogue par injection en prison, certains pays ont décidé de les implanter dans des établissements de détention.
On a répertorié dans le monde en 2007 une soixantaine de programmes d'échange de seringues dans des prisons de toute taille et de niveau de sécurité confondus. La distribution du matériel d'injection se fait de différentes façons. Ça peut être par les services de santé, par des distributrices, par des groupes communautaires ou encore par des pères aidants. Les données d'évaluation scientifique et l'expérience de ces pays démontrent que les programmes d'échange de seringues en prison réduisent le partage de matériel d'injection ainsi que le nombre de cas d'infection transmissible par le sang. Ils ne conduisent pas à une augmentation de l'utilisation ou de l'injection de drogue. Ils réduisent le nombre de surdoses et d'abcès. Ils favorisent la référence des usagers à des programmes de traitement de la toxicomanie et enfin, aucun cas d'utilisation de seringues comme arme contre d'autres détenus ou des employés n'a été rapporté. Malgré ces résultats, la mise en place de tels programmes représente encore un défi pour bien des établissements de détention, étant donné leur mandat de sécurité publique. Mais on comprend qu'il est difficile d'accepter que soient données des seringues alors qu'il est interdit de consommer des drogues en prison. Toutefois, la conciliation des rôles de la sécurité publique et de la santé publique est possible. La Suisse a d'ailleurs relevé ce défi. La prison de Chandelon est une prison préventive, c'est-à-dire qu'elle détient des hommes et des femmes avant leur jugement. En 2010, nous avons eu 3000 entrées. J'ajoute également que 2010 a été une année record en matière de surpopulation. Nous avons établi des records de moyenne et de pic. 560 personnes ont été détenues en moyenne dans l'établissement, soit plus de 200% de taux d'occupation. Un record à 620 détenus en juillet 2010. Au début des années 90, on a constaté une augmentation de la contamination des personnes par le virus de l'hépatite C auprès des injecteurs de drogue, en particulier à cause de l'échange de seringues. Alors, on a constaté qu'il y avait quand même quelques seringues qui circulaient en prison. Il a donc été décidé d'implanter ce programme d'échange de seringues à l'intérieur de la prison. Et puis, ça, c'était à l'initiative du service médical. Dans ces années-là, c'est sûr qu'on prenait principalement l'abstinence au niveau des drogues, et puis de distribuer les seringues. C'est sûr qu'il y avait comme un contre-message qui était délivré et puis qui ne faisait pas l'unanimité au sein du personnel médical. Le programme d'échange de seringues à la prison de Chandelon a été d'abord décidé au plan politique. C'était une impulsion qui était sans doute novatrice à l'époque et qui consistait à établir pour la prison de Chandelon ce qu'on appelle l'équivalence des soins. Ce qui se pratique dans la vie libre devait aussi se pratiquer à l'intérieur des murs de la prison. Le programme d'échange de seringues à la prison de Chandelon s'inscrit dans la politique dite des quatre piliers, qui comprend un volet prévention, un volet de thérapie, un volet de répression et puis un volet de réduction des risques. Par souci d'équivalence des soins, la réduction des risques se fait aussi à l'intérieur de la détention. Alors à partir du moment où l'impulsion politique a été donnée, il revenait aux administrations pénitentiaires et médicales de mettre en musique ce que nos politiques voulaient, ce qui a été fait. Ce qui a été fait avec tout de même une certaine difficulté, parce qu'il ne faut pas minimiser les craintes et les attentes. L'administration pénitentiaire partait, elle, de l'idée de créer un centre d'injection supervisée à l'intérieur de la prison. Puis très rapidement, on s'est rendu compte que ce n'était pas possible techniquement, c'était peu envisageable. Le service médical, lui, est parti sur un programme d'échange de seringues plutôt encadré, à savoir qui consomme, pourquoi, comment, et puis à ce moment-là, on distribuera des seringues. Au départ, en 2004, quand on a pris les nouvelles, donc c'est vrai que tous les gardiens, tous les collègues étaient réticents par rapport aux boîtes flash. Donc c'est vrai qu'on est monté au créneau, on était au syndicat, on a fait des revendications. La première chose qui nous faisait peur, c'est de se faire agresser par une aiguille qui était infectée. Ça a pris quand même un certain temps avant qu'on trouve justement cette intersection, cette zone de travail en commun où les craintes et les attentes des uns, les exigences des autres ont pu trouver un accord qui fonctionne maintenant depuis 2004, où dans les faits, l'autorité pénitentiaire
soutient et appuie les efforts de l'autorité médicale pour que le programme d'échange de matériel d'injection fonctionne. Les détenus sont informés en fait, au programme d'accès à l'échange de seringues dès leur arrivée en prison. On a un point contact infirmier qui existe dès l'arrivée de la personne en détention. C'est une sorte de check-up complet sanitaire. Et puis là, on aborde les questions de consommation de drogue et surtout de mode de consommation. Et puis c'est sûr que si quelqu'un nous dit qu'il est injecteur de drogue, on va lui signifier que c'est possible d'avoir accès à des seringues ici. Il faut en faire la demande écrite ou orale directement au personnel médical. On passe plusieurs fois dans la journée, donc c'est à ce moment-là qu'on peut avoir, nous, le contact et échanger les seringues. La remise se fait à la cellule, de la main à la main. En première intention, on remettra un kit complet, qui est en fait un kit boîte flash. Une boîte flash contient le kit nécessaire pour s'injecter, à savoir deux seringues avec deux aiguilles et puis deux filtres, deux cupules comme matériel de chauffage, deux sachets d'acide ascorbique, deux tampons alcoolisés, deux tampons secs, et puis deux fioles de sérum physiologique. On a pris la décision d'empaqueter en fait les kits d'injection qui sont en fait dans des boîtes en carton déjà, et puis le tube de remise de seringue usagée qui est un tube transparent. Ça, c'était aussi exigé par l'administration pénitentiaire pour des raisons de sécurité qui nous permettent de contrôler en fait ce qui nous retourne. Donc on remet ce kit complet à l'intérieur d'un sachet en papier blanc qui masque en fait le contenu, et c'est le même sachet qu'on utilise pour distribuer des crèmes par exemple diverses et variées, ce qui fait que il ne s'agit pas de brouiller les pistes, mais il s'agit de respecter au maximum la confidentialité. Nous, on n'est pas au courant des échanges qu'ils font. Hein. Donc, quand on envoie, on fait notre contrôle normal, mais on ne sait pas combien de personnes exactement dans la prison, combien ces seringues à leur disposition. Et tout compte fait, c'est rentré dans les mœurs, on y a bien pris, et que maintenant, on n'en entend même plus parler. C'est vrai que c'est, je ne veux pas dire que c'est de la routine, mais c'est... Ça s'est bien présenté et puis on n'a pas eu de problème depuis 2004. Il n'y a eu aucun acte d'agression d'un détenu sur un gardien avec une seringue. Hein? Donc ça, c'est extrêmement important de le dire, hein? Parce que je pense que ça démolit un peu une image qu'on peut avoir par rapport à cette seringue transformée en une espèce de couteau ou de lame comme ça qui serait utilisée contre le personnel. Il n'y a eu aucun acte de ce type-là. Il n'y a eu non plus aucune situation où un gardien, lors d'une fouille de cellule, a été piqué malencontreusement par une seringue. Ça non plus, ça n'est jamais arrivé. Je peux compter par contre sur les doigts d'une main en l'espace de 7 ans les situations pour lesquelles on a trouvé dans une cellule une seringue à un endroit qui n'était pas autorisé. Les règles sont très claires. Hein. Ils reçoivent en même temps que le matériel d'injection des directives du service médical qui leur expliquent de manière très claire où la seringue doit se trouver, où elle ne peut pas se trouver. Elle doit être dans son emballage d'origine ou dans une boîte de récupération sécurisée. Si le détenu la détient ailleurs que dans ces deux endroits-là, il est sanctionné. On a l'année passée distribué environ 440 seringues sur toute l'année. Comme la prison de Chandelon est une prison préventive, le tournus des détenus est très important. Donc il arrive que des détenus sortent avec un kit boîte flash complet pour des usages à l'extérieur. C'est ce qui explique en fait nos taux de retour de 72% en partie et qui est finalement pas si mal. Le programme est fait de telle sorte qu'il est basé sur la confiance. Ils ne font pas de fouilles ciblées rapport à une distribution, une pseudo-distribution de seringues à l'intérieur du système de distribution des médicaments. C'est vraiment un partenariat entre l'agent de détention, l'infirmier ou le service médical, et puis le détenu. Si chacun brise une des conditions, c'est sûr que le programme va s'enrayer et puis on ne pourra pas fonctionner. Ce que nous venons d'entendre nous permet de constater que la mise en place d'un programme d'échange de seringues représente certes un défi pour les services de santé, mais que somme toute, ce type de programme est faisable et ne requiert pas tant de ressources. La collaboration du personnel correctionnel y est toutefois essentielle. Pour que le programme d'échange de matériel d'injection fonctionne dans une prison et pour qu'une prison fonctionne en général, il faut que tous les corps de métier, tous les intervenants aient confiance les uns envers les autres.
Depuis 7 ans, le nombre de détenus n'a cessé d'augmenter. Le programme est toujours actif et ce n'est pas parce que nous avons davantage de détenus que nous avons davantage de problèmes. Ce n'est absolument pas un obstacle. Je pense qu'on perdrait quelque chose en revenant en arrière. On aurait plus de soucis de trafic de seringues et que là, du coup, on n'a rien du tout. C'est une bonne sécurité pour nous. Actuellement, au Québec, il n'y a pas de programme d'échange de seringues dans les établissements de détention, malgré leur efficacité reconnue à diminuer la transmission d'infections. Le Programme national de santé publique du Québec indique toutefois qu'il faut établir une démarche visant à favoriser l'accès au matériel d'injection stérile et la récupération de seringues usagées en milieu carcéral. Un programme d'échange de seringues en détention pourra-t-il voir le jour au Québec? Eh bien, c'est à suivre.